Cette chanson que vous allez suivre, dans l'extrait va suivre, l'inspiration a été tirée du livre de Nombres, chapitre 11. Vous pourrez commencer au verset 14 jusqu'au 30e verset. Et vous comprenez le contexte de cette chanson, dont je vais ici chanter juste un extrait. Cette chanson, vous la trouverez dans le prochain album qui arrive. Dieu apparu à son prophète majeur Moïse. Oh, Dieu apparu à son prophète majeur Moïse. Il lui dit, tu ne peux pas continuer à porter tout seul le fardeau d'Israël, je vais t'adjoindre des auxiliaires. Choisis parmi le peuple 70 anciens d'Israël qui ont de l'autorité et de l'influence sur le peuple. Avec eux, tu organiseras une réunion sous la tente. Cette assemblée, moi l'Éternel j'y serai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, ô Moïse, et je le répandrai sur les anciens d'Israël. Du Seigneur est venu à s'accomplir. Dès qu'ils avaient reçu l'onction qui était sur Moïse, la grande majorité s'est mise à prophétiser. Mais ils ne continuèrent pas. Oh, oh, oh. Ils ne continuèrent pas la prophétie. Oh, oh. Mais elle date de mes dates qui n'est pas sous la tente. Eux avaient continué à prophétiser sur le peuple. Cela déplut à Josué. Cela avait déplu à Josué, qui n'a pas accepté ce fait. Josué, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, il n'a connu que Moïse, alla à sa rencontre et il lui fit cette demande. Moïse empêche les
empêche-les de prophétiser. Car tu es le seul qui est censé faire cela. Moïse, empêche-les de prophétiser. Car tu es le seul qui doit pouvoir faire cela. Ce à quoi Moïse répondit, Josué, es-tu jaloux pour moi? Ce à quoi Moïse répondit, Josué, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple être composé de prophètes et que l'Éternel mette sur eux son esprit. Puisse tout le peuple être composé de prophètes et que l'Éternel mette sur eux son esprit. Oh, laisse-les prophétiser. Josué, mon fils, écoute-moi. Moïse te parle, laisse-les prophétiser. C'est ce que vous allez écouter dans le prochain album. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse-les prophétiser.